Bonjour Alexandre, vous portez le même prénom que moi. Nous sommes très heureux de vous voir sur notre chantier et nous comprenons que les travaux dont vous êtes responsable s'achèvent déjà progressivement. En fait, je voudrais expliquer à nos spectateurs qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur le chantier et ce que vous avez réalisé ici. Pour autant que je sache, c'est la société PZMK qui a invité votre SARL Eurospetspol. Chers spectateurs, le nom de cette société signifie en sol spécial européen. Nous sommes vraiment très satisfaits de ce que vous avez fait. Parlez-nous, s'il vous plaît, des particularités des travaux que vous avez effectués en coulant le sol du BTEI Sovelmash. En fait, il y avait beaucoup de particularités, pourtant il n'y avait pas de problème critique. Mais je noterai la différence de hauteur à cause de laquelle les délais ont été un peu décalés. Cependant, nous avons quand même pu nous adapter au calendrier de mise en œuvre du projet. Sinon, pas d'autres problèmes. Notre société exerce depuis longtemps ses activités sur le marché de ce type de travaux, depuis environ 15 ans d'ailleurs. Nous avons donc de l'expérience et n'avons pas rencontré de difficultés particulières. Je pense qu'en 15 ans, vous avez déjà réussi à réaliser de nombreux projets. Oui, c'est vrai. Il y avait des projets à Moscou et dans d'autres régions également. Nous avons travaillé sur de nombreux grands projets. Par exemple, le parc d'attractions Île de Rêve à Moscou. Nous avons également travaillé avec les sociétés Pékin, Grad, Antec et beaucoup d'autres entreprises. Vous êtes surtout engagé dans des installations industrielles, n'est-ce pas? Oui, ce sont des installations industrielles, ce sont aussi des usines, des entrepôts, des parkings, des sols en béton ou sols en polymère, mais également des sols en mosaïque où nous effectuons séparément le polissage et le meulage. C'est très intéressant. Je pense que nos spectateurs voudraient également savoir quelle est la particularité des sols qui ont été effectués dans notre futur BTEI. Lors de la conception de ce bâtiment, si je comprends bien, des charges lourdes ont été prévues. Je le dis car j'ai vu un double cadre de renforcement qui a été utilisé pour la construction. Par conséquent, l'épaisseur du sol s'est avérée être de 200 mm, c'est-à-dire des charges assez importantes seront utilisées dans ce bâtiment. Bien que l'épaisseur du sol soit de 200 mm avec un cadre de renforcement assez résistant, c'est cependant en général un sol normal et pour nous c'est un travail normal, rien de compliqué. Je voudrais vous poser une autre question, s'il vous plaît. Il est très important pour nous que ce sol transmette un minimum de vibrations et de toutes ces interférences aux machines-outils à commande numérique et aux machines à usinage. Pensez-vous que ce sol ici puisse faire face à ces tâches? Absolument, pas de problème. Parfait. Je tiens à vous remercier encore une fois pour le travail accompli. Je veux vous serrer la main. C'était vraiment agréable de regarder votre équipe travailler. Cependant, c'était assez rapide. Si je ne me trompe pas, un peu moins de 2 mois et toute cette surface a été coulée avec du béton. Une superficie de 15 000 mètres carrés. Chers spectateurs, vous pouvez évaluer la qualité du travail par vous-même. Nous l'avons montré dans toutes nos vidéos d'ailleurs. Maintenant, les caméramans vont vous montrer à nouveau ce qui a été fait. Bien qu'Alexandre dise que ce sont des travaux ordinaires pour lui, pour nous, ce sol, c'est quelque chose qui permettra à notre futur BTEI de fonctionner pendant longtemps, j'espère. Assurez-vous de contacter la SARL Eurospetspol si vous avez par exemple une usine et que vous voulez y faire un excellent sol. Et nous, à notre tour, effectuerons le travail dans les délais et le résultat sera magnifique. Je le confirme, c'est approuvé par Sovelmash. Eh bien, en continuant notre reportage, je veux vous demander, chers spectateurs, de prêter attention à la quantité de travail qui a été réalisée. Nous sommes au premier étage de l'entresol dans la zone d'essai et de production. Je peux constater que beaucoup de travail a été accompli. 15 000 mètres carrés ont été coulés avec du béton.
À noter que la qualité de ces travaux énormes est très élevée. L'essentiel à comprendre, c'est que dans la vie du projet, il s'agit d'un événement très important qui nous ouvre de nouveaux fronts de travaux et qui nous permet par exemple de commencer bientôt l'installation de cloisons antérieures. Ensuite, nous allons effectuer quelques zones de travail et commencerons l'installation de l'équipement nécessaire. Nous attendions beaucoup ce moment-là. En général, beaucoup de travaux sont toujours effectués sur le chantier. Nous essayons de terminer les travaux de béton avant le début des fortes gelées. À présent, sur vos écrans, vous voyez une plateforme pour l'équipement de climatisation qui sera bientôt coulée avec du béton. Le quai de chargement-déchargement, lui, a déjà été construit. L'installation de cloisons intérieures du premier étage du bâtiment BAT est en cours. Tous les matériaux nécessaires ont déjà été fournis sur le site. Je souligne que tout cela a été rendu possible grâce à nos efforts communs. Je tiens également à noter que cette vidéo n'est pas une publicité, c'est une simple réaction humaine à un travail de qualité. Grâce à ces équipes, nous avons la possibilité d'aller de l'avant et de faire notre travail. Ceci est très important lorsque chacun fait son travail en permettant à d'autres professionnels de faire le leur. Merci de votre attention. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à nos ressources pour rester au courant de l'évolution du projet Sovelmash.